Pour poser l'importance de la maladie, il est nécessaire de rappeler les chiffres. Selon l'OMS, 390 millions d'infections par le virus de la dengue se produisent chaque année, dont 96 millions se manifestent cliniquement, tous degrés de gravité confondus, et 20 000 décèdent. Selon une étude sur la prévalence de la dengue, 3,9 milliards de personnes dans environ 140 pays sont exposées à un risque d'infection par le virus de la dengue. Plus de 70% de la charge réelle pèse sur l'Asie. Il y a 4 virus de dengue différents. Ils sont appelés sérotypes et numérotés de 1 à 4. Lorsqu'une personne est infectée par un sérotype, elle devient protégée contre ce virus. Elle ne peut plus être réinfectée par ce dernier. Par contre, elle n'est pas immunisée contre les 3 autres sérotypes qui peuvent l'infecter. D'ailleurs, c'est à l'occasion de ces infections, dites secondaires, que les formes sévères, hémorragiques, apparaissent. C'est le phénomène d'anticorps facilitant. Dans le sud-ouest de l'océan Indien, la première épidémie documentée de la dengue a été décrite aux Comores en 1943. À La Réunion, la première crise épidémique est déclarée en 1977, avec une atteinte massive d'environ 30% de la population, estimée sur la base des analyses sérologiques. Aux mêmes périodes, des épidémies de dengue ont sévi aux Seychelles, avec une estimation de près de 80% de la population touchée. Plus tard encore, à l'île de la Grande Comore, des épidémies de dengue ont été documentées en 1984 et 1993. Après des périodes que l'on qualifie d'interépidémiques, c'est-à-dire la survenue de cas sporadiques sans enclencher une épidémie, la littérature documente ensuite des micro-épidémies à partir des années 2000. D'abord aux Seychelles, entre 2003 et 2004, plus de 400 cas diagnostiqués. À La Réunion en 2004, dans la partie ouest de l'île, où 228 cas ont été diagnostiqués, puis à l'île Maurice, en 2009, avec 219 cas recensés. Le système de surveillance, mis en place par les autorités de santé à La Réunion, a permis d'identifier de nouvelles phases micro-épidémiques entre 2005 et 2015. L'année 2017 a vu un nombre de déclarations de cas de dengue à La Réunion plutôt à la baisse, 86 cas autochtones et 9 cas importés. Cependant, contrairement aux années antérieures où le nombre diminuait significativement, voire sans aucun signalement pendant l'hiver austral en cette fin d'année 2017, des foyers de transmission se sont maintenus pour la première fois fin décembre, laissant craindre une flambée épidémique durant la saison pluvieuse, propice à une augmentation de la densité du moustique vecteur. C'est ce qui s'est produit, puisque depuis 2018, toute l'île de La Réunion est confrontée à des épidémies de dengue, devenues ininterrompues à ce jour, avec de surcroît une augmentation significative des formes sévères et des décès. De nombreux facteurs peuvent expliquer le maintien et l'augmentation des épidémies de dengue. Parmi les plus déterminants, citons notamment l'existence de populations humaines globalement naïves pour la dengue, c'est-à-dire jamais infectées auparavant. La présence quasi permanente de moustiques vecteurs capables de transmettre le virus. Les deux espèces vectrices majeures, Aedes albopictus et Aedes aegypti, à La Réunion, c'est Aedes albopictus qui domine. Les mouvements de population et les échanges commerciaux, d'une part entre les îles du sud-ouest de l'océan Indien, et d'autre part vers les pays endémiques pour la dengue, y compris ceux d'autres continents.